aujourd'hui, bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter comment on reconnaît un mâle à une femelle. Hein, je vois beaucoup de gens sur Facebook qui me demandent c'est un mâle, c'est une femelle, c'est un mâle, c'est une femelle. Et là je vais vous faire voir comment présenter votre foison pour regarder si c'est un mâle ou une femelle. D'accord? C'est très simple, c'est pas compliqué. Ici j'ai déjà préparé un couple que je vais faire reproduire puisqu'il y a le nid. Hein, mais il n'y a rien dedans. Donc je vais prendre celui-là. Et je vais vous faire voir comment faire. Voilà. Donc là, ici, là, on a le mâle. Hein? Donc ici, on a le mâle. Voilà. J'en suis sûr parce qu'il chante. Je l'ai dans ma volière et maintenant j'ai trouvé une femelle. Donc je le mets dans la femelle. Donc ici, voilà, on le prend. Donc on le prend comme ça. On ne le serre pas de trop. On ne le serre pas de trop. Et en fait, on vient coincer les deux petites pattes là. Hop là, bon, il y a plus de force puisqu'il y a les pattes. On vient décaler la queue. Et on vient souffler. Voilà. Ici, je vais un petit peu le mouiller. Voilà. Et maintenant, on voit parfaitement que c'est un mâle. Vous voyez? Le petit truc, le petit sexe en fait qui est là, il pointe vers nous en le mettant comme ça. Il pointe vers nous. Donc il ne suit pas. Allez, je vais vous prendre un petit truc d'investissement. Hop là. Il ne suit pas le corps de l'homme, de l'oiseau. Voilà. Ça, c'est un mâle. Maintenant, il y a une autre façon. Donc là, on a vu le sexe. Maintenant, on peut regarder au niveau de l'œil au bec. On regarde ici, il y a l'œil. Et là, il y a le bec. Ici, on prend une petite, pas forcément un gros truc, hein. Un petit cordon, un truc qu'on fait les dents, là, un cure-dent. Hop, et on vient le poser juste en face du bec. Ici, là, il est parallèle à l'œil, donc un mâle. Maintenant, il y a une autre façon. Il y a trois façons en fait. Hop là, on va bien le prendre. Hein, pour pas qu'il se rééchappe encore une fois. Ici là, vous le prenez comme ça. Hop là. Donc vous le prenez comme ça, vous le tenez un peu fort. Hein, pour pas qu'il se barre, pas comme moi, comme tout à l'heure. Et ici là, il descend vers le bas. Vous voyez? Ici, il prend et il descend vers le bas. Quand il descend vers le bas, c'est un mâle. Donc, sexe, on regarde le sexe. On regarde l'œil, on regarde là, on est sûr que c'est un mâle. Et voilà, comme ça, là, on est sûr que c'est un mâle. Ici, on va le remettre dans sa cage avec sa femelle. Hop là, on va reprendre une femelle. Très vif. Donc ici là, on a attrapé la femelle. Pareil. Donc ici, on regarde le sexe. Je vous mouille spécialement pour vous. Donc voilà. Ici, on le prend toujours pareil. Droit. On le penche un peu en arrière pour qu'il soit droit avec l'oiseau. Et là, on regarde. Vous voyez? Ici, ça descend. Ça suit. Ça suit le corps. Donc, quand ça suit le ventre de la femelle, c'est...
c'est une femelle. Ensuite, on peut regarder à l'œil. Toujours pareil avec notre petit cure-dent, une nappe esclante, peu importe. Un petit truc, pas un truc pointu non plus. Et ici, on va présenter à la femelle devant le bec. Et regardez, elle se trouve au-dessus. Au-dessus du bec. C'est une femelle. Ici, on la reprend. Donc, on la reprend de l'autre sens pour pas qu'elle s'en va non plus. Voilà. Et ici, là, elle suit un peu le corps. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai ma main devant. Mais au lieu de faire. Donc, on a l'oiseau et ça descend comme ça. Ça, c'est les mâles. Si ça droit, c'est une femelle. Ça, c'est pas compliqué. Et ça, c'est imparable. Vous faites ça chez vous, vous êtes nickel. Maintenant, vous n'êtes pas sûr. Je vais vous dire un truc. Ça sert à rien de prendre l'oiseau, souffler. Désolé mes mères, hein. Mais, non, viens. Souffler comme ça, et filmer, et nous dire, c'est un mâle une femelle. Mais nous, on ne sait pas. Si vous voulez qu'on voit, vous prenez un petit peu d'eau. Je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà mouillé tout à l'heure. Vous mouillez un petit peu. Vous soufflez. Et voilà. Et là, nous, on peut voir. Et là, on peut vous dire, sérieusement, si c'est un mâle ou une femelle. C'est pas compliqué. C'est très, très simple. Hein? Ça, c'est mieux que tout. Et voilà. Et là, vous avez trois choses et trois bases. Pour les canaries, hein. Après, pour les colombes, c'est pas pareil. Pour les diamants gould, c'est pas encore pareil. Pour les caps bleus, c'est encore une différence. Les caps bleus, c'est juste à la couleur. C'est très simple, les caps bleus. Mais les gens me demandent plus pour les canaries. Hop là, je suis remis là. Donc voilà. Donc voilà. La vidéo est finie de la présentation des canaries. Du sexage de canaries. Donc je vous remercie d'avoir visionné la caméra, la vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et likez et partagez la vidéo. Merci bien. Bonne journée.